Le comité de mobilisation des femmes UFPDC-IRD, avec à sa tête la vice-présidente Véronique Aka, par ailleurs présidente du conseil régional du Moronou, a eu une rencontre le mardi 11 juin 2024 à la salle de l'auditorium de la maison du parti à Cocody. Il s'est agi au cours de cette rencontre de dresser le bilan des actions menées lors des obsèques de feu Aimé-Henri Colombédier qui se sont déroulées à Daokro, puis Prépresso du 20 mai au 2 juin 2024. Après plusieurs échanges, une motion de soutien a été lue par Madame Bonsou, tablant ainsi sur le rôle prépondérant joué par les femmes lors des obsèques de feu Aimé-Henri Colombédier. Écoutons la présidente à l'issue de cette rencontre. Le bilan moral et financier, surtout au sorti des obsèques du président Mehdi. Et j'ai profité de l'occasion pour les remercier aussi, parce qu'elles ont été braves. Pendant 10 jours, toutes ces femmes elles étaient sur le terrain. Et on s'est entraîné parce qu'aucune femme ne s'est mise à l'écart. On était tout ensemble pour accompagner le président à sa dernière demeure. Et en sortant de là, il faut quand même qu'on se retrouve pour faire un bilan financier, puis se dire grand merci et puis se réorganiser pour voir dans le futur ce que nous pouvons faire. On profite aussi pour vous dire vous-même merci la presse, vous étiez là-bas avec nous. Merci à tout le monde. Merci. Adieu, il n'y a pas eu d'incident. On a accompagné nos papas et calmement. On dit, on rend grâce au Seigneur.